One, two, three, four. Bonjour, Frédéric Thomas. Donc, je suis le rédacteur de la revue TCS et également l'animateur du site agriculturedeconservation.com. Je suis également agriculteur sur ma ferme de Sologne. Je pratique le semi-direct et l'agriculture de conservation depuis une vingtaine d'années. Je suis un petit peu dans ces techniques-là depuis un peu plus de 35 ans. Donc à travers tout ce que l'on peut faire sur la ferme et les rencontres que je fais en France, à l'étranger, ça a permis de construire un savoir-faire, de le tester, de le développer, également de chercher un petit peu des orientations nouvelles ou des compléments, ce qui nous a amené à faire beaucoup de couverts végétaux, du colza associé, voire même réintroduire l'élevage sur l'exploitation avec des moutons et puis maintenant des vaches allaitantes. Aujourd'hui, avec cette expérience, en association avec Ecosystem et le groupe France Agricole, on vous propose de suivre 8 sessions de webinar entre le mois d'octobre 2018 et le mois de juin 2019. À travers ces sessions, on fera le tour d'un petit peu toutes les questions, que ce soit la gestion de la transition, la gestion du sol, le strip-till, l'approche fertilisation en agriculture de conservation, la localisation de la fertilisation. On parlera aussi beaucoup couvert. On verra également ce que l'on peut faire en termes d'association, en termes de plan de compagne. On verra également comment on peut arriver à associer agriculture de conservation et élevage, voire explorer de nouvelles pistes en matière de production de fourrage en élevage, voir également ce que l'on peut faire dans des cultures en ligne, comme la vigne, comme l'arboriculture. Donc en fait, à travers ces 8 sessions, on fera un grand tour d'horizon. Je vous présenterai ce que moi je suis capable de faire, ce que je vois, ce que d'autres agriculteurs font, un petit peu les différentes approches, les limites, quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant pour réussir. Et à travers ces sessions, on pourra également interagir pour poser vos questions et que, en fait, ces questions et les réponses que l'on peut apporter profitent à l'ensemble des personnes qui participent. Donc, écoutez, au plaisir de vous croiser par caméra et internet interposé, à défaut de vous rencontrer dans mes champs ou dans vos champs à un autre moment.